Et yo tout le monde! C'est Alchemy, on se retrouve aujourd'hui. Pour une fois, je peux dire retrouve parce que bah, c'est ma deuxième vidéo, ça y est. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur Just Cause 3. J'avais dit que je ferais un petit tour des armes de DLC. Mais c'est ce que je comptais faire à la base, mais je pense qu'on va pas faire que ça parce que on se ferait vite chier, hein, voir que les armes de DLC, les trucs de DLC. Donc, je comptais faire ça, mais. Plus en s'amusant, voyez le lance-roquettes que j'ai sur mon dos par exemple, on va bien s'amuser parce que ça s'appelle un capstone Bloodhound et hop, il sert à ça. Voilà. En gros, on a droit à un guidage laser avec ce truc et c'est vraiment classe. Donc je vais vous en refaire un après, hein, vous en faites pas. Alors ce qui me fait rire, c'est quand le train il va passer, oh merde, il n'y a plus de piste. On va pas l'attendre quand même. Hein. Si on va attendre longtemps, je pense. Alors, j'adore faire péter les tours, c'est mon kiff. Oh là! J'ai foncé dedans comme un trou. Ah, bravo! Donc, je vous remercie déjà pour les 6 abonnés directement après la première vidéo. J'étais vraiment impressionné de voir ça. Enfin, je sais, c'est peu, mais pour moi, c'est déjà énorme. Donc, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas regardé jusqu'au bout, j'ai un site internet dessus que j'avais directement créé avant même la création de la chaîne. Donc j'y avais pensé déjà depuis un bon moment parce que je vous raconterai ma petite histoire de YouTube avant, hein, je vous raconterai ça dans une autre vidéo entièrement dédiée à ça. Ça sera déjà beaucoup mieux. Donc voilà, qu'est-ce que je comptais faire déjà? Vous montrer certaines petites choses insolites et drôles. Oh là, oh là, oh là. Toi tu vas pas, toi tu vas pas, et toi tu vas pas. Oh là! Oh le rebond! Oh le rebond! Ah non! Merde! C'est pas grave. Allez, donc on va plutôt faire un déplacement rapide directement. Hein? Donc cette vidéo devrait durer à peu près 20 minutes. Hein, c'est selon ce que je verrai. Donc voyez la petite base, j'aimerais bien capturer une petite base. Voilà, regardez ici, nous avons la base de Porto Tridente. On va la réopprimer, faire un déplacement rapide pour comme ça faire comment dire, j'allais dire un truc. On va prendre une belle petite arme que vous allez sûrement adorer. Tout ça dans une vidéo, ça donne vraiment envie d'acheter les DLC. Donc je vous dis tout de suite, je fais pas ça en partenariat du tout avec Just Cause 3 ou Sony ou j'en sais rien. Je peux vous le dire tout de suite, hein, je ferai jamais de vidéo partenariat ou quoique seulement si ça me plaît, le jeu me plaît forcément, pourquoi pas y gagner un petit truc. Mais dans ce cas-là, ce sera jamais pour un gain personnel, ce sera plus pour acheter du matériel ou quoi que ce soit. Mais en général, c'est vraiment pas mon truc. Genre déjà je vous dis tout de suite, jamais je ferai une monétisation de vidéo. En gros, vous aurez jamais de petite pub de merde là pour vous mettre avant vos vidéos. Vous aurez jamais une pub avec moi. Je peux déjà vous dire ça c'est direct. Hein. Je pourrais pas faire ça. Moi déjà, ça me fait bien chier d'avoir une pub directement avant de regarder mes vidéos. Donc autant faire en sorte que pour ceux qui regardent les miennes, ça y soit pas. Bref. Donc, la petite arme que je vous avais dit s'appelle un mecha. C'est une sorte de petit robot, comme vous pouvez le voir, qu'on peut piloter. C'est vraiment classe. Donc, on peut prendre soit des missiles, soit un canon, ou soit une mitrailleuse. Donc, on va faire. De toute façon, vous verrez forcément les trois sur cette chaîne. Donc, on va commencer dans l'ordre. Allez, on va prendre la mitrailleuse, l'exploseur au bavarium, ça s'appelle. En fait, c'est ce que j'ai là, hein. C'est exactement la même chose sauf sur le robot, quoi. C'est ça. Allez, hop, ça s'envole et ça atterrit. Voilà, donc c'est ça. C'est un très joli, ça s'appelle un mecha. C'est un mecha, 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 mais mécanique. Allez, go go Power Rangers. Ça, c'est classe, ça. Ça, c'est super classe. Et oui, alors, on peut sauter, on peut prendre des petites choses, voilà, comme ça, on peut les prendre, voilà, les jeter. Oups. Ok. On peut tirer aussi, mais ça, je vais pas le faire tout de suite, quoique. Voilà, c'est ça. Hein. Et on peut donner des petits coups. Enfin, des coups qui, quand même, envoient des ennemis valser à plus de 3 km. Donc c'est pas un joujou, quoi. Alors voyez déjà là, moi j'aime pas ça. Donc oh,
Je vais l'avoir, hein. Je m'en fous, je vais l'avoir. Merde. Forcément, hein, fallait que tu te réchauffes, toi. Boum. Bonjour, je fais que passer. Ou pas. Je viens juste démolir votre base, hein, vous en faites pas, c'est ça va être rapide. Toi, tu commences pas à casser les couilles. Voilà. Alors, autant vous dire, inutile de vous dire déjà, hein, je pense, hein, qu'il y aura beaucoup de gros mots dans cette chaîne. Hein, ça, c'est. Âme sensible s'abstenir. Enfin, évidemment, des. Oh, c'est génial! Oh, j'aurais jamais cru que j'aurais pu le dégager en un seul coup de voiture. Ah, c'est géant! Eh, je connais pas mon mecha ou quoi? Ça, je peux le prendre, ouais. Boum! Allez. Fin de communication. Eh oui. Eh oh. Ouh là là, oh là, oh, oh mais c'est là, mais c'est du bordel, j'aurais jamais cru que je pourrais faire tout ça moi. Mais c'est une machine de guerre ce truc. Eh oh, c'est interdit là. Eh, ce truc c'est beaucoup trop facile avec. Parce que je dois avouer que j'ai pas ce DLC depuis longtemps, hein. Je l'ai depuis à peu près, je crois que je l'ai acheté hier, un truc comme ça. J'ai acheté tous les DLC hier, je crois, hier ou avant-hier, et j'ai pas encore eu le temps de tout tester, j'ai juste fait l'émission. Donc j'ai juste fait l'émission qui vont avec les DLC, donc ouais, je crois que je les avais depuis avant-hier, un truc comme ça. Et ouais. Boum. Ah mais c'est la classe. Oh là là, j'ai acheté tous les DLC hier et j'aurais jamais cru que ce serait aussi facile de détruire une base avec ces trucs là. A mon avis c'était juste une sorte de tank, voilà, allez, un petit tank là qu'on pouvait allez, au mieux démolir un petit château d'eau avec trois coups, mais non, 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 ah non, incroyable. Bon, par contre la mitrailleuse elle est pas très forte, hein. C'est le seul défaut, mais bon, il faut bien un défaut quelque part. Oh là, alors toi... Oula, je sais plus viser. Je l'ai défoncé rien qu'avec une mitrailleuse, c'est quand même drôle ça. Et il coule. Et il coule comme une merde, allez c'est bon, dégage Titanic. Oh là là. Alors bonjour. Je vous laisse avec ça, hein. Une petite explosion derrière, ça devrait vous faire plaisir. Toi tu dégages tout simplement, voilà, va dans l'explosion. Alors je peux aussi prendre les hélicoptères apparemment. Je viens juste de voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Un hélico. Il y a un hélico quelque part là. Eh mais c'est tard. Eh sérieusement. J'ai jamais testé ça hors fonctionnalité du shell limitée. Du shell, c'est quoi ça shell? Ah, si jamais la meuf elle commence à me faire chier avec ses bases virales VPS, là ça va pas le faire. Hein. La base virale VPS a été mise à jour, plouf. Est-ce que non, je peux pas casser ça comme ça quand même. Eh, c'est trop gros. C'est trop grand. Oh, oh je peux. Je peux le faire. Mais là, j'ai la caméra. Ça dégage, par contre, j'en ai pas besoin. Allez, dépêche-toi, 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 allez. Ah. Allez, boum. Plouf. Merde. Je suis coincé là. Ou pas. Ça va. Attention, les impacts de débris peuvent abîmer votre méca. Module shell endommagé. Au revoir. Oh, je suis un sacré connard. Mais en fait, j'ai qu'à faire ça quoi. Oula. Oh non, 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 non. Ah bah vous savez pas quoi. Allez, salut. Ah ça dégage. Et moi je vais faire ça directement, j'en ai rien à foutre. Déjà je vais appeler un drone. Et je vais me prendre une petite arme, tiens, pour le plaisir. Dans le spécial, qu'est-ce que je peux avoir? Alors le final argument. Étincelle d'Eden que je vous montrerai plus tard. Ou le noyau énergétique. Non, je vais garder mon arme personnelle. Par contre je vais prendre ça. Hop, ça c'est bon.
Toi tu fais pas chier toi. Toi tu fais pas chier, tu fais pas chier. Eh bah non. Allez. C'est trop la classe. Ok bon, toi tu me fais pas chier. Oh oh. Ah, ça c'était pas prévu ça. Je rêve ou je vais me faire niquer là. Ok donc non 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 non, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord, je suis désolé. Allez salut. Oui. Ah c'est génial ce jeu vraiment. Vraiment quand je l'ai acheté. What the f... Putain j'ai eu la trouille. Véhicule méca. Méca avec des missiles. Allez c'est parti. Alors j'ai plus de munitions c'est ça? Ah si. Attends. Ah dégage la fumée. Elles sont où les tours? Oh. Là-bas. Est-ce que je peux l'avoir? Au d'aussi loin. Je crois pas. Non, je peux pas. Allez, c'est parti. Avant que le truc soit complètement détruit. Ah ouais, je peux vous viser, vous, hein. Ah, vous êtes pas content, vous. Ah, c'est sûr. Non, je les ai défoncés. Ok, bon, je fais quoi? Ah, quand même, hein. Ouh là 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 là. Eh, je crois que je suis complètement une machine de guerre. J'aurais cru que je pourrais finir tout avec un make-up vu la puissance, mais j'ai pas été assez, j'ai pas fait assez gaffe. Du coup, je me suis forcément fait défoncer. Mais c'est quand même beau. J'ai pas besoin d'hélico, merci. C'est très gentil. Je crois pas que j'en ai besoin. Ce serait tricher pour le coup. Waouh, mais regardez-moi cette explosion. Oh. Oh là 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 là, mais c'est beau. Mais c'est beau ça. Excuse-moi, vous dégagez, merci. Allez, allez en bateau là. Plouf. Et je me croirais vraiment que dans Iron Man, imaginez. Enfin pas dans Iron Man, dans Iron Man, mais avec une armure vraiment grosse là. Vous imaginez. Blah. Le Mark 999. Ah bah c'est sûr que là tu peux plus rien faire. Là tu peux pas test, c'est moi le plus fort. Ok donc là c'est bon, tout est fait. Ah là, on a... Ah en fait je sais même pas qu'est-ce qui nous manque du coup pour terminer cette splendide base. Il nous manque des transformateurs. Là attendez, le dernier est là. Ah non c'est pas le dernier. Oh je saute. Bon, je propose qu'on se casse tout de suite parce que là ça sert plus à rien de continuer. Hein. Vous avez vu déjà la puissance. La puissance extraordinaire. Oh, un radar. Donc, allez, moi je dis allez, salut, hop. C'était pas prévu que je tombe. Hein. C'était pas dans le spectacle. Ok, donc je vais faire une petite ellipse vite fait le temps d'arriver à l'endroit où je vais vous montrer le reste des armes. A tout de suite. Ok donc voilà les amis, j'ai fait l'ellipse. De toute façon vous l'avez vu. Donc je voulais déjà vous montrer certaines petites choses. J'avais dit que je montrerais les véhicules et les armes. Donc je vous ai déjà montré une arme je crois. Alors je vais aussi vous montrer une faculté de la wingsuit qui est ceci. Pour faire des roulades sans avoir utilisé le frein que je vais faire basiquement. Imaginons qu'on utilise la wingsuit basique, on aurait juste à faire ça pour freiner et ça prend énormément de temps, c'est pas possible. Et voilà. Donc les armes, d'abord je vais vous montrer ceci, ce qui s'appelle étincelle d'Eden. Alors c'est une sorte de dispositif, oui, qui fait de l'électricité, voilà. Alors vous voyez au loin, alors je peux aussi le ramener jusqu'ici, hein, pas de problème. Ça peut bouger, voilà.
Ça revient ici, voilà, ça s'en va et ça revient. Par contre, faut juste que ça recharge. C'est le point chiant. Ok les amis, donc je suis vraiment désolé, hein, j'ai pas pu enregistrer la suite. Je sais pas, il y a eu un bug dans le système. Je sais que c'est vraiment bête de faire un message comme ça, alors j'aurais juste pu recommencer, mais là désolé, je dis comme ça, j'ai vraiment eu la flemme, donc voilà, je suis un gros flemmard. Je recommencerai hein, dans la prochaine vidéo de Just Cause 3, mais la prochaine vidéo sera peut-être du GTA ou peut-être du Assassin's Creed, je sais pas du tout. Donc je vous dis ça comme ça, donc voilà, merci.